mountain has to be emotive, and it's an object that you have to look at from 360 degrees and find it beautiful. You have that perfect combination of looks, the dynamic look, the agility, the great stance, and then four people and four doors, so easy access and great flexibility. Jolie. Elle est mieux que d'autres qui sont moins chouettes, et moins chouettes que d'autres qui sont beaucoup mieux, mais on bande pour Arthur Martin. It's nice. Une voiture magnifique. Et puis, est-ce qu'on voit franchement que c'est une 5 portes, on remarque même pas. Even though the car is 5 meters long, has 4 doors, we use visual cues to try and reduce the overall size. Elle me plaît bien parce que c'est vrai que j'aime beaucoup le bateau, c'est vrai, mais je suis avant tout passionné de sport automobile et de belles automobiles, de design notamment. Et là, avec cette rapide, on est servi en termes de design qui, je trouve, pour une 4 portes est bien bien réussi. En termes de moteur, bah, c'est clair que les V12 Aston n'ont plus de, ont une telle renommée que c'est plus la peine d'en parler. Donc ça en fait une voiture vraiment désirable, on pourrait le dire. On se sent comment à l'intérieur? Ça sent bon déjà. C'est vrai que l'odeur du cuir des voitures anglaises, c'est incomparable. Et les sièges sont top. C'est vraiment un plaisir. Il n'y a plus qu'à y aller, quoi. Hein? Ils diront quelque chose si je pars avec. Merci beaucoup. Magnifique. Alors, je vais essayer de conduire cette Aston Martin rapide. Je vais y aller doucement au début. C'est super. 12 cylindres, 6 litres, c'est énorme. Gros, gros moteur V12. C'est extraordinaire parce que ça se conduit quand même comme une voiture de tous les jours. Alors ouais. C'est quand même une voiture fantastique. Cap 170 chevaux. Pas mal, non? On va essayer par exemple de doubler cette camionnette. Et on y va. Tout de suite on est à 155. Et ça continue. The emphasis on the inside should be about, it's a cosseting environment because it's a sports car. So it's a package that when you're in the back, you're held in your seat like you are in the front seat of a sports car. That's how it should feel. The edge of the front seat and the B pillar is separated so that when you're in the back, you can see out of the passenger window. And also the rear occupant sits slightly more inboard and you have a great vision forward. And because of that, it's very, very good communication. And I think for me, one of the most surprising elements was that first journey in the back of the car. I felt like a 7-year-old boy being driven by his father in a fast car. Très puissante automobile. Si on devait résumer cette Aston Martin rapide, selon moi, c'est un mix parfait entre une Ferrari, par exemple, 612, Caglietti, qui elle a que deux portes, mais un V12 aussi, et la Panamera de Porsche, qui est peut-être plus urbaine, plus quotidienne. Cette Aston Martin, elle, a un aspect bourgeoise, élégante, très raffiné, et en même temps presque familial, puisqu'elle a quatre portes. Voici la rapide, c'est une voiture d'exception. Bon, évidemment, elle coûte 180 000 euros, qui n'est pas à la portée de tout le monde,
mais c'est moins cher que la plus petite des Ferrari. Alors, pourquoi se priver ?